Salut à tous, je vous présente mon week-end au salon du mariage d'Albertville. Bon, ok, c'est pas tout à fait moi qui ai lancé l'idée à la base. Mais faut avouer que ma fiancée est plus calée que moi côté organisation. Et comme on va se marier cet été, on en a profité pour y faire un tour. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait tout le nécessaire pour réussir notre mariage. On y a trouvé la bague. C'est laquelle déjà? Celle-ci en argent? Ou celle-là en or? Ah oui, celle-ci. Elle te va bien, chérie. Mais vous êtes au courant que vous passez la bague au doigt de ma fiancée, madame? Pour la robe, je ne vous cacherai pas que le choix n'a pas été facile. On ne se mettait pas assez en situation. Heureusement, il y avait le défilé. Alors, non. Non. Non plus. Non. Pas celle-là. Non. 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 Celle-ci. Ensuite, on a été chercher les chaussures de la mariée, adaptées à la robe. Et les chaussures du marié assorties aux chaussures de la mariée, adaptées à la robe. Bref, tout allait ensemble. Puis, on est tombé sur... de la lingerie féminine. Bon, eh bien, je crois que je vais te laisser, chérie. Je vais aller faire un tour du côté du vin. Pourrais-je goûter un petit vin blanc, s'il vous plaît? Vous permettez que je regarde? Un millet, d'accord. C'est un vin de mariage, alors. Il a une belle robe, c'est ça? Allons-y, patron, une lichette pour goûter. Après avoir effectué la pénible épreuve de dégustation des vins, j'ai rejoint ma fiancée qui se faisait plaisir en testant le maquillage. Puis, nous sommes allés à la recherche d'un véhicule pour le cortège. Ma fiancée a craqué, elle, pour la limousine. Mais il faut absolument que je la fasse changer d'avis pour ça. Et ouais, ça en jette quand même un peu plus, non? Nous avons ensuite été voir les professionnels de l'image. La photo d'une part, pour garder ces images en mémoire. Nous avons pu voir les différents albums, photographes et prestations. Et la vidéo. Car à quoi bon dépenser autant dans le plus beau jour de sa vie, si c'est pour ne pas s'en souvenir? Après tous ces beaux bisous, nous sommes passés à table. Ce n'était pas celle-ci, ni celle-là en fait. Ah, la voilà, la fondue. Et oui, on est en Savoie tout de même. Ça, c'est la pièce montée rock'n'roll. Et pour finir, les bonbons. Mais là, il y avait la queue. Les sucreries, ça attire du monde. Pour terminer, nous avons trouvé un magicien pour enflammer la soirée. Facile, elle est dans la main droite. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah non, c'est pas ça. J'aurais dû couper cette partie au montage. Sans oublier un DJ pour s'occuper des platines. Ben, il est où? Ah, le voilà. Eh bien, je crois qu'on a tout fait. Ah non, les fleurs. Bon, cette fois, ça y est. J'espère que ça vous a plu et à l'année prochaine.